Salut, salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver dans notre saga The Last of Us. C'est la première partie que je vous présente et vous le constatez pour ceux qui découvrent le jeu, on va d'émotion en émotion. Alors aujourd'hui, eh bien, la suite avec un nouveau chapitre que nous allons ouvrir. Le chapitre s'intitule La ville de Bill et nous en découvrirons les deux premières sections dans cet épisode. Avant ça, je réagis à vos commentaires et celui d'Oli qui me demandait ce que j'avais préféré entre la mort de Tess telle que nous l'avons vécue dans le jeu la dernière fois ou dans la série. À vrai dire, je n'ai pas vraiment de préférence. Je vous avoue que j'ai trouvé très intéressante la mort de Tess dans le jeu parce qu'elle nous laisse, elle nous abandonne quelque part, elle nous dit d'avancer sans manifester de réelle émotion jusqu'au moment où Joël tourne la tête ou là. On sent qu'elle est émue, pour ne pas dire bouleversée. Et Joël, c'est pareil, on a vu que quelques éléments dans son visage sont là pour évoquer la peine qu'il ressent. Pas besoin d'en dire beaucoup, hein, parfois une simple expression, et c'est ça qui fait le talent de ce jeu aussi, parce qu'à travers ces quelques petits éléments, nous avons déjà une lecture tout à fait intéressante du ressenti des protagonistes. Alors dans la série, j'étais ravi de retrouver Anna Torv. Ah oui, j'avais découvert cette actrice à l'époque dans Fringe, excellente série de fantastique et de science-fiction. Et là, j'étais heureux de la voir dans un rôle très différent où elle s'en est très bien sortie. Je n'en dis pas plus sur la manière dont elle meurt dans la série pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, bien sûr. Et en parlant des expressions des personnages, il y a aussi quelques scènes qui sont très intéressantes, riches en informations à travers un seul regard, encore une fois. Et j'évoque ici le commentaire de Touch Tablet qui a noté dans la vidéo précédente, il vous le marque à 28 minutes 43, je vous remontre les images, on va pas vous demander d'aller les chercher. On voit que Joël regarde la montre que lui avait offerte sa fille. C'est intéressant, hein ? Hey. Traîne pas. Voilà, vous voyez, il commence à repenser à sa défunte fille, tandis que la relation qu'il a avec Ellie commence à changer, à évoluer. Ça en dit long. Pour Antoine, eh bien, c'est le plongeon que réalise Joël avec le masque à gaz sur le visage. Quelle folie, hein. C'est sûr qu'il ne sera plus très utilisable après. Bon, les développeurs n'ont pas voulu compliquer le programme, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu aberrant tout ça. Pour sa part, Vincent évoque la lampe torche que nos personnages, désormais Ellie, mais aussi Joël depuis le début, cette lampe torche qu'ils utilisent et qui, c'est vrai, pourrait alerter les ennemis. Alors, comme on me l'a fait remarquer, et je vous l'avais dit, si ce sont des humains auxquels vous avez affaire, ne l'allumez pas. Pour le reste, avec les infectés, pas de risque de ce côté-là. Et j'en profite pour évoquer surtout la deuxième partie de la remarque de Vincent. Il parle de la version PC qui vient de sortir. Le jeu, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, est désormais disponible sur PC. Alors c'est un portage, voilà. Et apparemment, même le studio Naughty Dog l'a avoué, le portage connaît quelques bugs assez désagréables et ils sont apparemment très nombreux. Alors ils ont sorti déjà plusieurs patchs et un gros patch est annoncé alors que j'enregistre cette vidéo qui sera très bientôt disponible afin de corriger tout ça. Ah, c'est vrai que c'est dommage parce que sur la version PS3, la PS4 ou la PS5, je les ai toutes les trois pour vous dire à quel point j'aime ce jeu, eh bien on n'a pas ce genre de bug. C'est bien dommage quand même de ne pas avoir pris plus de soin pour le sortir sur PC. Et puis je remercie Twinka qui me signale que j'ai oublié des pilules. Que voulez-vous ? Je ne veux pas abuser des drogues pour ma part. Et voilà. Non, en fait, je les ai vraiment oubliées. Et le pire, c'est que je n'étais pas allé chercher ces pilules lorsque je me suis entraîné, ni lorsque je voulais présenter cette vidéo. Mais lorsque j'ai refait le jeu sur PS5, car au fur et à mesure que je progresse dans mes enregistrements de vidéos sur PS4, eh bien, je refais aussi le jeu, mais sur PS5. Là, je suis allé les chercher. Allez comprendre ce qui se passe dans cette tête-là. Allez, c'est parti, nous découvrons tout de suite ce nouveau chapitre. Oh merde. C'est con, hein? Donne-moi ton bras.
Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où elle est. Non, ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Ouais. Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt ? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Admirez ce paysage, mes amis, hein ? N'est-ce pas ? Franchement bien fait. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène ? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Et ici, regardez ce que j'ai trouvé. On va avoir quelques améliorations à se mettre sous la dent ces prochains jours, ces prochaines heures. Alors, je fais un petit détour en arrière pour une petite, un petit échange supplémentaire. Salut, toi. Mais je vous ai montré ce virage que vous auriez pu manquer, et surtout manquer donc les objets que je vous montre, les améliorations, mais aussi tout ça, hein. Près de cette bouche d'égout, enfin de cette sortie d'égout, dirons-nous. Il y en a une autre là-bas en face qui ne nous intéressera guère. On va avancer. Il y a des pimpins partout, je les adore, moi aussi. Une barrière là-haut. Eh merde. Tu veux qu'on grimpe ? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Regarde. Des lucioles. Enfin, de vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Désolée, je me suis un peu emballée. Alors vous apercevez là-haut le nom de la ville dans laquelle nous allons nous retrouver, Lincoln. Alors Lincoln existe dans le Massachusetts, à une 20aine de kilomètres de Boston, c'est une petite ville. Dans le jeu, on va le voir dans quelques minutes, ils l'ont placé dans une partie nommée Amherst County. C'est pas du tout dans ce comté que se trouve Lincoln, puisque si j'en crois la carte que je lis ici, Lincoln se trouve dans le Middlesex. Voilà. Eh bien écoutez, continuons, essayons de trouver une issue.
une planche. Bon, ça, on la verra plus tard. Et merde. Non, pas par là non plus. Je vais monter jeter un coup d'œil. Amélioration arme de mêlée. Améliorer n'importe quelle arme de mêlée pour tuer vos ennemis d'un seul coup. L'utilisation de l'amélioration est limitée, elle se brisera une fois sa durée de vie écoulée. Donc vous voyez, ça requiert les éléments indiqués là-dessous, notamment une barre ou une batte de baseball, des ciseaux et de l'adhésif. On va essayer d'en trouver le plus possible pour améliorer cette arme à chaque fois. Puisqu'à chaque fois que vous vous en servirez pour tuer un ennemi, bah, le ciseau qui est au bout cassera et il faudra en mettre un autre, même si la barre, elle, est toujours en vie. Voilà. Je vous montrerai ça, justement, lorsque nous aurons besoin de le faire. Alors, ici, vous le voyez, nous avons une planche. Qu'est-ce que tu dis de ça ? J'en dis que c'est une bonne solution pour avancer, ma chère Ellie. Alors regardez, on peut pas la monter sur le toit, mais on peut la placer ici. Et on va faire comme l'avait fait Tess récemment, hein, dans le premier chapitre après le prologue. Il me semble que je vois les charpentiers. C'est parti. Donc les planches, ça lui connaît. C'est toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude ? Hein ? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein ? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui ? Il y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Alors, au pied de ce château d'eau... Vous noterez la présence de cette brique, mais surtout de cette lame. Hein. On va en avoir besoin si on veut équiper notre arme de mêlée de la lame dont nous avons besoin. Je crois que là, il n'y a rien d'autre. Je ne veux pas dire de bêtises, donc j'avance. Alors j'essaie de déclencher les conversations possibles dans le jeu en allant vers des lieux comme celui-ci. Bon, j'arriverai pas à l'enfoncer. Viens, il y a un autre chemin. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Vous avez entendu, hein, les bruits ? Alors nous avons toujours notre brique, je crois. Ouais, on va pouvoir s'en servir éventuellement. Comment allons-nous nous débrouiller ? On va essayer d'attirer notre ennemi. C'est quoi ça ? Oh merde! Est-ce qu'il s'est réveillé d'ailleurs? Non, non, il dort toujours. Alors vous pouvez éventuellement jeter une brique. On va essayer ça, allez. Il est en colère, hein. On en a attiré qu'un parce qu'il y en a deux dans la zone, je tiens à vous le dire. Ah, comme ça cliquette, c'est horrible. Oula, j'ai failli faire du bruit. C'est pas évident, hein. Il se débat avec ces champignons là qui lui donnent... Ah ! Est-ce que ça a attiré l'autre, ça ? Non, pas pour l'instant. Bon. Des munitions, ça tombe bien. Je viens... Ah, mais le voilà. Ben regardez l'arme de mêlée. Voilà. Putain.
C'est plutôt sympa, hein. Ben, je l'ai fait déjà, voilà. On va aller peut-être ramasser à nouveau un projectile, on pourrait en avoir besoin dans les prochaines minutes, on ne sait jamais. Hein. Je ne dis pas que c'est nécessaire, mais il vaut mieux. Alors on va faire un petit tour dans cette habitation, hein. Mais d'abord, la remise. Ben, vous voyez pour quelle raison, voilà. Je vous montre d'ailleurs qu'ici... Fais chier. Joël, il faut arrêter de jurer. Par ici. Une nouvelle amélioration, vous le constatez. Ça va nous être fort utile, ça aussi. Tu te sens bien ? J'essaie d'apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Que j'ai l'air de savoir siffler. Donne-moi une seconde. Ça nous rappelle à tous notre enfance, n'est-ce pas, hein ? Lorsqu'on a essayé de siffler pour la première fois. Mais c'est intéressant. On voit qu'Ellie est une petite fille et qu'elle a quand même les intérêts et d'intérêts d'une petite fille. Et c'est ça qui va peut-être la rendre attachante. Hein. Alors ici, nous avons trouvé une note. Regardez ce qu'elle nous dit. Rappel, récupérer plus de pilules. Voir si je peux grappiller quelques balles de plus. Je n'ai que 3 semaines avant la prochaine livraison à Tess. C'est donc le dénommé Bill dont nous avons pas mal entendu parler depuis le début du jeu, qui est, semble-t-il, le fournisseur de nos amis. C'est le marché noir, donc, hein, à l'honneur, et lui semble vivre ici. Bon, on a fait le tour. Rien d'autre à ramasser là. On va ouvrir cette porte qui nous ramène à l'extérieur. Important. Cette porte porte au surin, hein, toujours. C'est la 3e, je crois. Ok. Joli. Amélioration encore. Je vais voir si je peux me débrouiller pour récupérer ce liquide, peut-être en fabriquant quelque chose. Du cocktail Molotov. Et moi j'aime bien avoir des surins d'avance, j'en aurai au moins 2. Voilà, et je récupère ça. Bon, on n'en a pas besoin tout de suite. C'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir sinon ? Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Ah, voyons. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. Alors, je n'ai pas ramassé la barre que vous avez vue, hein. Parce que j'en ai déjà une. Et surtout avec un surin dessus. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après ? Eh ben, après, on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère ? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Hé, hey, regarde ! Des nains ! Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Et moi, j'aime pas les nains de jardin. Voilà, je les décanille. Mais j'aime les améliorations, comme celle-ci. Et regardez, alors je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Vous voyez, on en a 40. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est atteindre 75. Et pour une bonne raison. Je vous le recommande d'ailleurs.
Alors on va explorer la ville, je commence par ce côté-ci, histoire d'éliminer les objets à ramasser. Vous voyez qu'ici on ne pourra pas visiter ces lieux, ils sont fermés, barricadés devrais-je dire. Mais là il y a une pizzeria. Petite faim ? Allez. Y a-t-il des ennemis ? Apparemment rien. Conversation optionnelle, importante. Oh, regardez-moi ça. T'as déjà joué à ça ? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... C'était quoi déjà ? Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. J'aimerais bien y jouer. Rien derrière le comptoir. Je vous conseille de faire un petit tour à l'étage. Vous voyez pourquoi. Alors la porte est fermée, hein, je vous le dis tout de suite. On ne pourra pas atteindre le premier étage de cette pizzeria. Du côté des ordures, il y a aussi du matériel pour Joël. Et on quitte la pizzeria et son parking. Combinaison nécessaire, eh bien on va tâcher de la trouver. Évacuation obligatoire. Évacuer, où ça ? À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Oh, ça doit être dur, de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. C'est pas ça le plus dur. Et on sait de quoi il parle. Amherst County, vous voyez, ça n'existe pas, hein, mais c'est évidemment pour rendre les lieux un peu plus irréels, histoire de ne pas citer de véritables lieux. On voit que ici l'évacuation s'est faite en octobre, plus tardivement donc que dans la ville de Joël. C'est intéressant. Alors sachez que vous pouvez monter sur les voitures, hein, je vous l'avais déjà montré, je crois. Vous pouvez vous amuser à faire un petit parcours d'obstacles, qui ne sera pas très utile de toute manière, mais on peut le faire. Et l'intérêt ? Bah c'est justement celui-là, regardez. Mais que vois-je ? Il y avait des lucioles partout, hein ? Ouais, partout. Il pensait pouvoir remettre de l'ordre dans le pays. Ben, avec un vaccin, ce serait possible. Ouais, peut-être. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à part lui ? D'après ce que je sais, il est seul. On reconnaît des lieux un peu à la Walking Dead, hein, avec les chaises qui permettent de jouer les vigiles. Apparemment, il n'était pas seul au début. Note de Bob. Alors, on va la lire. Bob, je ne quitterai pas la ville sans ce coffre. Aide Brad à le charger dans le pick-up. Et au cas où il faudrait l'ouvrir, la combinaison est 5-17-21. Alors je vous l'ai dit, hein, inutile de les retenir dans ce jeu, on l'a vu la dernière fois, lorsque nous étions dans le centre-ville en tout cas. On va revenir vers le pick-up, et le fait d'avoir donc la combinaison en main, ben Joël ne va pas vous demander de la faire pour lui, c'est lui qui va la faire pour vous. En tout cas, l'intérêt est là, c'est que même si vous avez trouvé la combinaison dans une solution, bah, il faudra quand même trouver l'endroit où elle se cache. Hein. Et vous voyez, c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce que je peux recharger mon fusil ? Non, je ne pense pas. Il est au maximum, donc on gardera ces 3 munitions de côté, mais je ne pense pas qu'on aura l'occasion de revenir. Allez, une nouvelle étape dans cette rue, avant de la quitter. Et c'est la dernière étape donc, dans la rue, c'est d'aller au Marquis. Un magasin de musique. Oh,
Regarde-moi ça. Un endroit de rêve pour moi, hein, avec plein de vinyles ici. Bon, moi, je suis plus CD, hein, mais quelques CD aussi, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les pochettes ont été travaillées de manière à évoquer des noms de groupes, même s'ils n'existent pas. On voit ici le String Quartet in C Major. Je ne pense pas qu'il existe, non. Et les Blassard Boys. Voilà, il y a d'autres groupes, je vous laisse explorer. C'est magnifique, ce travail donc graphique. Bon, on va voir derrière le comptoir, qu'en dites-vous? On retrouve les bâches qu'il y avait dans la chambre d'Eli ici. Ah, on est plein. Bon, ça par contre, ça m'intéresse. Puisqu'on est plein, je vais voir si je peux encore fabriquer des choses, mais je ne crois pas. Non. Non et non. Bah tant pis, hein. Et... regardez. J'adore. Ils ont étudié ce genre de cas aussi, c'est intéressant. Notre périmètre, de quoi ça nous parle? Ces satanés infectés sont bien trop près de l'abri de l'église. J'ai l'impression que je vais devoir faire un nouveau tour du périmètre pour repérer les failles. Bon là, ça m'intéresse pour peut-être fabriquer un nouveau surin. Voilà, je préfère. Je préfère en avoir d'avance des surins, vous savez pourquoi, hein? Ça, j'en veux pas. Je veux ça, voilà. Bon, on fait quelques ramassages, hein, encore, et on va sortir d'ici. Ah, c'est triste quand même. Quoi? Toute cette musique qui croupit ici. Y a plus personne pour l'écouter. Je sais pas, c'est tellement dommage. Notre Dieu! Wow. Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Dis, il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est ce type au juste? En fait, il nous a aidés à introduire des trucs en ville, disons que il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Une nouvelle porte au surin, hein. Regardez ça, on est gâtés aujourd'hui dans cet épisode. On va faire beaucoup de ramassage dans l'épisode. Ok. Oh la classe, apprends-moi à faire ça. Et des améliorations, 15. Vous vous rendez compte? Là, il n'y a rien. Voilà, on a fait le tour. Je regarde si c'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux encore refaire un surin? Non. Ah, ça c'est dommage par contre. Ça m'aurait plu. Regardez ici, c'est une rue qui peut nous ramener dans la rue principale. Et on va pas y passer, on n'a pas besoin. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Des flèches, regardez. On peut les ramasser. Ça alors, Bill s'est tiré à l'arc? Faut croire que oui. Alors vous voyez, il y a plein de petits messages sympathiques comme celui-là, hein, qui nous invite à ne pas nous aventurer dans les lieux, notamment celui-là. You will be shot on sight, hein, vous serez tué sur le champ si vous osez passer. Mais on va quand même oser, hein, on est courageux. Alors on vous invite à la mettre où vous voulez, l'échelle, hein, vous pouvez très bien l'appuyer ici. Moi, j'avais fait l'erreur de l'appuyer contre ça, mais non, il faut l'appuyer là, hein, évidemment. J'avais appuyé un peu trop vite sur la touche triangle, pour tout vous dire. Hein. Non, pas que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, quand même. Hé, hey, regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez doué pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Alors je vous montre juste qu'on peut très bien descendre ici si on le souhaite, s'il veut bien. Mais que ça n'a aucun intérêt, hein. Il n'y a rien de ce côté-ci. Donc on va remonter, mes amis. La voie est libre, monte. J'arrive.
Nous sommes toujours au-dessus de la rue principale. Et on ne peut pas passer par là. Alors, mes amis, nous allons devoir faire appel à notre logique. Souvenez-vous, nous venons de croiser une planche. Tiens, qu'à se servir de ça ? Alors, vous avez compris la technique maintenant, hein, pour utiliser les planches et les faire grimper là où vous en avez besoin. Avec l'ombre qui est bien travaillée là, hein, franchement. Ça change de certains Tomb Raider où l'ombre était vraiment catastrophique puisqu'on voyait l'ombre du personnage mais pas celle des objets. Alors ici, je vous conseille la discrétion, tout simplement. Oh, mince, faut pas qu'il remonte. Alors, attendez. Voilà. On va tout de suite s'accroupir. Et avancer discrètement. Pour monter sur le toit suivant. Vous voyez, inutile de combattre cette chose. Ça pourrait nous amener des ennuis. Je préfère, voilà. Nous avons, semble-t-il, enfin atteint l'autre côté de la rue. Il n'y a rien à ramasser là, on va descendre. Alors, inutile d'attirer l'attention. Tu vois ce fil barbelé ? Reste en dessous, ok ? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Regarde ça. T'as entendu ? Ouais. Il y a du remue-ménage là-bas. Merde, tu vas y aller ? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai morte d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Si vous avez été attentif... La créature qui se trouvait là a monté les escaliers. On a entendu le bruit des marches. Hein. Est-elle dans la chambre ? Non. Je ne vois rien. Et là, je suis au maximum des objets, décidément. Hein. Je n'ai pas besoin de grand-chose aujourd'hui. Est-ce que je peux fabriquer un sur un ? Toujours pas. Non, donc on va essayer de trouver ce qu'il faut. Oh merde ! Eh ben voilà ! Bordel ! Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie ! Bon, écoute. Bill, c'est plutôt... le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris ? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. Bill est un type bien, mais... Il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Rachel, qu'est-ce que ça nous raconte ? Note Rachel. Rachel, des soldats vont de porte à porte et obligent les gens à entrer dans des bus. J'entends des cris à deux pâtés de maison. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai essayé d'appeler, d'attendre, mais je ne peux plus rester. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. Je t'attendrai dans la zone de quarantaine. Retrouve-moi là-bas. À très vite, Ezra. Tu crois qu'ils se sont retrouvés ? Comment je pourrais le savoir ? En tout cas, j'aimerais bien. Alors, est-ce que je peux... Avoir mon amélioration ? Pas tout à fait, je suis à 70, il me manque encore 5 éléments. On n'a plus rien à faire ici. Viens, fichons encore d'ici. Et regardez, la seule solution... Okay, surtout ne t'approche pas. Ce sera ça, voilà. Je préfère. On va pas tirer dessus, hein.
trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Tu vois ça? Recule. Ah, Ellie, ne... Ah, elle n'écoute rien. Ah ben j'ai raté. On va tirer dessus, qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon? Il y en a peut-être d'autres... Oui, j'ai des objets là-bas. Je préfère pas gaspiller mes munitions. Alors utilisons les objets à notre avantage. Il y en a plein ici, voilà. Allez. T'éloigne pas. Putain! Je te tiens. Putain, Bill! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un des pièges à la con de Bill! Là, le frigo! J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Coupe la corde pour me faire descendre! Ça marche! Joël! Merde, ils sont là! Occupe-toi de la corde! Ellie! On s'en sort! Mais aussi vite! Alors la mauvaise surprise, c'est qu'il y a aussi des claqueurs ici. Oh, j'ai réussi. Quand tu veux, Ellie. Tiens bon. Merde! Ça va? Ouais. Tu vas y arriver. Ok. Voilà des balles. Merci. Fais chier. Un claqueur. Laisse-moi partir, sale brute! Viens m'aider!
aller. On n'a pas d'autre chemin. Ellie, reste en arrière. Non. C'était Bill. Ok. Allez, on y est presque. On va renforcer notre arme, hein, tant qu'on peut. Oh non, pas encore. Je sais pas si j'en ai besoin. Je préfère faire. Ah mais j'ai pas de quoi. J'ai pas de quoi, mes amis. Alors ça, par contre, ça m'arrange. Il y a du bazar. Je vais essayer de ramasser le plus d'objets possible avant de partir. Ben ça, j'en ai trop. Alors Ellie, laisse-moi passer, bon sang. C'est ouvert, allez. Merde. C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Bill! Qu'est-ce que vous faites? Bill! Détachez-vous! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux! Fais pas le malin! Ok, t'énerve pas. T'es fait mordre? Non. Des excroissances? Non, putain, j'ai rien! Si je vois le moindre tremblement. Ah, arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire. Et c'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Oh. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Une carte intéressante, hein, où on voit le lieu dans lequel nous sommes. Voilà, la ville de Bill. Je peux pas les vider, non. J'ai toujours tout ce qu'il faut ici. Alors, nouveau manuel d'instruction, très intéressant. On va zoomer et le lire. Manuel du surin, volume 1. Longévité accrue des lames. Aiguisage. Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer et augmente par conséquent la durée de vie de la lame. Grâce à ce ramassage que nous venons de faire de ce manuel, nous avons doublé la durée de vie des surins. On pourra les utiliser deux fois. Ça, c'est intéressant.
Alors, je ne sais pas dans quel état est notre barre. Elle est toujours bien. Donc, je ne vais pas la jeter, hein, y a pas de raison. La salle de repos du personnel, ici. Note barrière. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Faut que je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre cette saloperie et finissent par la faire tomber. Dégagez les barrières ! Bill prend des notes pour lui-même. Je vais peut-être fabriquer un peu d'objets, moi, maintenant que j'ai de quoi. Du surin. Du cocktail. Je vais pas vous refaire Mister Cocktail. Voilà. Là, il y a du matériel. C'est bon ? C'est bon. J'ai pas envie de jeter des cocktails Molotov dans un lieu pareil. Hein. Non, c'est pas le moment. Je vais aller faire un tour là-bas. Parce qu'il y a une conversation optionnelle ici, regardez. Eh, tu sais y jouer ? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hey, Bobby Fischer ! Pas tous à l'échiquier, compris ? Bobby qui ? Rien, laisse tomber. Alors, Bobby Fischer, ah bah je vous en parle, hein. Je suis allé regarder tout de suite sur le web pour vous dire que Bobby Fischer, eh bien, c'est un homme qui est né en 1943, mort en 2008. C'était un joueur d'échecs américain réputé qui a commencé dès l'âge de 14 ans à devenir champion. Voilà, la chose est dite. J'ai regardé en direct parce que j'avais oublié de faire ma recherche sur lui avant de faire la vidéo. Bah, ça m'apprendra, voilà. J'adore la déco ici, elle est vraiment travaillée. T'as tout ce qu'il te faut ? C'est bon. Non, je crois que je voulais voir juste si je pouvais maintenant ramasser ceci. Ouais, je m'en doutais. Voilà, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. Là, c'est toujours plein. Ben oui, pas de chance. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Ouais, y en a pas deux comme lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement. Montrer qu'on ne rigole pas. On comprend donc sa manière de faire, hein, en lisant ses notes. Ah, regardez. Ça m'arrange. Parce que maintenant, je vais pouvoir confectionner, enfin disons améliorer, ma maîtrise du surin. Utilisez un surin pour vous en sortir lorsqu'un claqueur vous attrape. Jusqu'à présent, si un claqueur m'attrapait, je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais réagir qu'en l'attrapant moi-même, hein, au départ. Et ça m'intéresse. Voilà pourquoi il vaut mieux parfois collecter pas mal d'améliorations avant de les utiliser. Là, il n'y a rien, je vous le montre. Hein. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré ? Et où est passé Tess ? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis ? C'est le gamin ? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais au moins. Non mais c'est quoi ce type ? Alors on va où, Bill ? Non. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il faut plus d'armes. Allez, Ellie, on se pousse. Il n'y a rien ici. Là, vous avez une batte de baseball, si jamais l'arme que vous avez, en tout cas, ne vous était pas utile. Là-bas, là, j'avais perdu un peu de santé. J'avais perdu, oui, un peu de santé. Donc, je la récupère. Hein. Il y a du monde dehors.
qu'il y en a un à l'intérieur. Bon, j'avais prévu de nettoyer ça. Relax, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Allez, on y va. Je fais juste un petit détour par là. Mais en effet, je voulais m'en assurer, mais il n'y a vraiment rien ici. Bon bah, allons-y, hein. Salut, madame. Désolé. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures ? Ma parole, t'es un petit génie, toi ! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une ! Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini ? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail ! Oh, merde ! Tiens-toi prêt ! Le surin, vous avez vu ? Voilà qui est bien. Deuxième surin. J'en ai gaspillé pas mal, là. Putain, Joël ! Bon. Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend ? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill ? Joël ? Par là. Allez, on monte. Alors, on va d'abord faire un petit tour par ici. Et je voulais essayer de confectionner à nouveau des surins. Ah, mais voilà, en peine. J'espère ne pas avoir besoin d'en utiliser. Eh ben écoutez, est-ce que j'ai encore de la santé, moi, dans tout ça ? Ça serait bien de regarder. Non, je crois que ça va, hein. J'aurai une petite marque. Ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est là-haut. Bah oui, regardez. Je vais jeter la bouteille là-dessus. Et m'emparer de ceci. Alex Raymond Vincent. Voilà. Bon, ben rien d'autre à ramasser pour nous dans les lieux. Je crois que j'en ai fait le tour. Je vais juste m'en assurer parce que sur cette partie, je ne me suis entraîné qu'une seule fois. Et je ne voudrais pas avoir raté quelque chose, mais je crois que c'est tout. Je crois qu'on n'a rien d'autre pour nous ici. Et ça m'aurait pourtant arrangé de pouvoir confectionner un surin supplémentaire. Bah oui, faut pas les gaspiller. Mais là, j'ai été pris au dépourvu, mes amis. T'aurais pu choisir un autre endroit au crochet. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins, ils sont prévisibles. C'est les gens normaux qui me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir ? Ils ont pas la clé, voici. Bon, c'est par où ? On y est. C'est au sous-sol. Et le sous-sol de l'église que vous voyez là ne peut être que par là. Allez, on descend. Et la suite, ce sera au prochain épisode. En attendant, eh bien, merci aux tipeurs pour leur soutien. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre suivi et vos commentaires. Sachez que nous reviendrons très bientôt sur les autres œuvres qui ont influencé le jeu, ainsi que sur les comédiens de doublage. C'est promis, soyez patients, on en parlera. En attendant, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. À très vite.
Thank you.